Assalamu alaykoum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Le mois de Ramadan, c'est une occasion pour nous de nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un mois qui nous permet à la fois de nous purifier de tout ce qui pourrait nous éloigner d'Allah. Et également, c'est un mois qui nous permet d'acquérir les qualités qui nous amènent à sa proximité. Hein, c'est pour ça. On dit souvent que le Ramadan, c'est une école, hein, parce que c'est un mois qui est plein d'enseignements. Et parmi ce que nous enseigne ce mois béni, il y a l'humilité. Alors l'humilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une prise de conscience. C'est prendre conscience de sa vraie condition, de sa vraie nature. Et cette humilité, elle s'exprime tout d'abord envers notre Seigneur, envers Allah, tabaraka ta'ala, puisque eh bien, le jeûne nous fait comprendre, nous fait prendre conscience de la faiblesse de notre condition d'humain. Hein, il suffit de quelques heures de jeûne, quelques heures de privation, et l'homme se sent affaibli. Quelques heures de prière la nuit, et l'homme se sent fatigué. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, il gère cet univers. Et c'est lui qui donne la vie à toutes choses. Il est l'omnipotent, l'omniprésent, mais il ne connaît ni difficulté, ni fatigue, ni sommeil. L'humilité envers notre Seigneur. Puisque même Allah tabaraka nous le dit, il dit qu'il a créé l'homme faible. Et puis également, l'humilité vis-à-vis des hommes. Tout d'abord parce que le jeûne va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus de différence entre riches et pauvres. Tous vont connaître les mêmes privations. Tous les jeûneurs vont faire face à la faim. Tous les jeûneurs vont faire face à la soif. Ils attendent ensemble le même coucher de soleil. Il n'y a plus de... On va pas avoir une dérogation ou un passe-droit. Hein? Donc le jeûne, il efface toutes ces différences. Il met tout le monde au même niveau et chacun se retrouve face à ses propres faiblesses. Hein? Et pour pouvoir pallier à ces faiblesses, pour pouvoir les dépasser, eh bien tu ne peux pas compter ni sur ta richesse, ni sur ton rang social. Hein? Tout cela ne t'est d'aucune utilité. Il s'agit d'un effort que tu vas devoir mener seul. Et donc tous les hommes sont à armes égales. Hein? Tu vas apprendre à te maîtriser, à te dépasser, à dépasser tes besoins, en comptant uniquement sur ta volonté. Et puis, par le jeûne, Allah nous permet également de nous recentrer sur nous-mêmes, d'ouvrir les yeux sur nous-mêmes, en nous demandant de nous priver de nourriture, de boissons. Allah nous rappelle que nous ne sommes pas simplement un corps, mais nous sommes faits d'un corps et également d'une âme. Et il veut que pendant ce mois, eh bien, nous nous consacrions plus à l'âme plutôt qu'à l'enveloppe qui la contient. Et donc, une fois que l'on fait abstraction du corps et que l'on remet l'âme au centre, eh bien, on comprend que tous les êtres humains sont le résultat du même et seul ordre d'Allah. Allah nous dit dans la sourate Al-Isra, et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Donc là, il n'y a plus de riches, de pauvres, de grands ou de petits, de forts ou de faibles. Il ne reste que l'ordre divin. Tu ne vois que l'ordre divin. Et donc celui qui, par le jeûne, a réussi à comprendre sa vraie nature, son origine, mais également l'origine de ceux qui l'entourent, eh bien, il ne se consacre plus qu'à cet ordre divin. Il ne voit plus que ça. Il fait abstraction du reste. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah m'a révélé de vous ordonner l'humilité, afin que nul ne méprise un autre et que nul n'opprime un autre. Parce que qui pourrait oser opprimer ou même mépriser ce qui est le résultat de l'ordre d'Allah? Qu'Allah nous compte parmi ses humbles serviteurs qui recherchent son agrément et sa proximité. Oui.